Premièrement, la religion. C'est la question la plus importante, celle pour laquelle Allah a créé les hommes et pour laquelle il a envoyé des messagers afin de la transmettre et en prendre soin conformément à la parole divine. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour qu'il ordonne « Adorez Allah et abandonnez les faux dieux » Tarot. Verset 36 de la sourate Les Abeilles. L'islam a veillé à protéger la religion et à la préserver de tout shirk, pratique digne du paganisme ou du polythéisme, de toute superstition, de tout péché et de tout interdit qui pourrait l'entamer ou altérer sa pureté.